cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être moun. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui passe chaque samedi à 7h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission bien-être et beauté pour être belle et en santé. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'émission Paula, émission Bien-être et Beauté. Une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Dans l'émission Bien-être et Beauté, je dis comme d'habitude, c'est moi-même, Léonie Desroses, infirmière tricologiste, qui dit invitez en mieux, sautez loin, font-y avancer pour venir suivre une plus belle émission que nous allons faire sur éducation environnementale ensemble avec spécialiste nous, donc ingénieur, agronome, Talo Bertrand, Bertrand comme nom de famille. Monsieur Bertrand, nous bien content de gagner une émission après-midi. Oui, nous saluons Madame Desroses. Nous content pour nous capables de participer dans un bel forum comme ça qui parlait de bien-être et beauté et qui est utile vraiment pour la population haïtienne. Et ce moment, nous avons bien chance pour nous capables de faire échange sur des thématiques vraiment importantes, notamment sécurité alimentaire, la nutrition, jardin scolaire, habitudes alimentaires. Moi, je pense que c'est un bagage qui est vraiment fondamental pour la société haïtienne. Oui, afin que nous déployions ce sujet, ce thématique, ce qui est agronome, Bertrand, pour le grand public. Là. Parce que nous avons un peu de monde qu'on a, parce que nous passons de présentation pour ce qu'on a fait dans la société. Je pense que c'est un archéologue, je pense que c'est un. Donc, pour le public, bien-être et beauté, hein, c'est qui est agronome, Bertrand? Bon, on est un difficile parfois pour parler de vous-même. Comprendre l'état de vous poser des actions pour les gens qui sont là. Et parce que ce n'est pas fin bon pour vous, c'est vous qui parlez de vous-même. Bon, comme moi, je me fais ça. Moi-même, je suis natif de Dessalines. Et que tout le monde connaît. Et je suis dans la première section de Dessalines. Je suis un petit paysan. Et je me fais éducation primaire, secondaire dans Saint-Marc. Et bien, ça, je suis entré à Port-au-Prince. Après, je me fais faculté d'agronomie, de médecine vétérinaire. Et ensuite, je me fais école normale supérieure. Et j'ai eu la chance d'aller au Canada pour faire une étude spécialisée dans l'éducation relative à l'environnement. Et depuis lors, moi, on est dans le pays, on est là, on travaille, et puis on a gardé les gens pour nous capables de faire contribution dans le processus de développement durable en Haïti. Moi, c'est secrétaire général pour MODEV, qui est une organisation qui est engagée et pour travailler avec paysans, travailler pour promotion de l'agriculture, pour nous capables de consommer local et faire un service de proximité. Mais c'est ça qu'on a fait avec un ensemble de cadres qui sont pour MODEV, qui sont pour la population haïtienne, notamment avec les paysans. Bon, je suis bien content pour tirer les soffes. On pas capable, au moins, c'est pas tout le monde. 100% public, là, pas même si 99% qu'on a, mais 1% faut toujours faire un sacrifice pour présenter au boulot. C'est ça, c'est ça. Depuis combien de temps on travaille comme éducation en environnement? Bon, et depuis l'année 2000, et nous avons lancé le mouvement, ça, c'est 5 juin 2000, et ça fait 18 ans là pour le moment. Et comme dans l'année 2018, nous avons lancé le mouvement pour MODEV là. Et côté nous avons gardé pour nous, qui ça nous-mêmes comme petits paysans, et qui étudie agronomie, qui étudie sciences naturelles, chimie, et qui étudie génie, qui étudie sociologie, qui ça nous a fait avec paysans. Eh bien, comme service de retour, parce qu'ils investissent dans nous. Et je pense que c'est un bail qui était important. Et en pile, les femmes et les garçons sont entrés dans la logique ça, et nous avons mis le mouvement à pied, sous pied. Et depuis lors, nous avons commencé le travail sur un ensemble de thématiques. D'abord, agriculture, et développement rural, et développement communautaire, éducation en milieu rural au sens large. Et ensuite, avec expertise, nous venons développer chaque morning. Et qui travaillent dans la question de l'éducation, des gens qui travaillent dans la question de l'environnement, des gens qui travaillent dans l'écologie, des gens qui dans la biodiversité. C'est que nous-mêmes, nous gardons nos thématiques, ça est aussi des thématiques importantes. Et je me suis dit, un ancien professeur de regret de mémoire, malheureusement, je suis allé dans l'option, parce que dans la faculté agronomique, il y a 5 options pour le moment, sciences naturelles, ressources naturelles et environnement, production végétale, production animale, génie rural et puis économie rurale. C'est ça que tu as gagné. Je dis, il y a ajouté sciences et technologies. Et dès qu'on voit ce que tu as dit, attention, moi, j'ai
en pile capacité pour faire ressources naturelles et environnement. Okay. Même conseiller faire production végétale. Et là, il vient me dire, oui, c'est vrai, c'est la tibonite moyenne, mm-hmm. Mm-hmm. C'est normal pour me faire production végétale. Il dit, on finit faire production végétale et pour le faire maîtriser dans l'environnement. Okay. Et là, on marie les deux ensemble et on paraît un tigien beaucoup plus complet. Il me dit, dans des conseils vraiment vrai. Et c'est ça, moi, je fais production végétale. Et bien développer expertise dans l'éducation environnement côté que n'a permettre et chaque citoyen prend responsabilité par rapport à milieu de vie qui a évolué mm-hmm. par rapport à environnement yoyé comment on fait gestion déchets mm-hmm. comment on fait gestion de l'eau mm-hmm. comment on capable protéger la, l'environnement mm-hmm. comment tout on capable empêcher microbes c'est comme mon bien-être et beauté oui. pour nous-mêmes c'est une thématique qui est intéressante et qui est vraiment intéressant pour et sous-secteur éducation relative à l'environnement. C'est créer ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est un processus que, qui existe côté que chaque citoyen eh bien, connaît que, qui engagement il a pour protéger l'environnement et pour transmettre. Ce n'est pas pour protéger, peut-être pas seulement, mais pour transmettre à la génération qui gagne pour venir. Basé, c'est dans ce sens que nous travaillons et pour nous, qui gens au moins, nous quittons un bagage pour la génération qui vient. Même si j'ai parlé de Dessalines, il y a parlé de Toussaint Louverture, il y a parlé de Christophe qui fait Citadelle La Ferrière, et bien nous-mêmes, nous avons fait un bagay. C'est okay. dans ce sens ça. Donc, mais moi, c'est juste toute intervention à faire dans les médias ou bien l'interaction que vous avez fait, vous parlez en pile de jardin scolaire. Mm-hmm. Mais est-ce que vous sentez que vous comprenez le thème là? Qui ont atterri, qui ont fait pour vous comprendre le thème là? Normalement, Haïti, c'est un. Parti dans les îles que nous avons vécues, qu'on nous partage les îles avec la République dominicaine, côté que et son pays qui gagne trois potentialités qui sont vraiment importantes. Potentialité, côté que il y a un peu de l'eau, parce qu'ils sont licités sous de l'eau. Mm-hmm. Deuxièmement, il y a un sol qui a un niveau de fertilité qui est vraiment acceptable. Par exemple, on met dans tel là, et bien il va faire manger là-haut. Mm-hmm. On met là, on graines orange à tel là, la pousser, la bombe dans l'huile. Ça que troisième potentialité, c'est que nous avons des gens qui ont une force pour travailler, qui remet la terre. C'est-à-dire, même si on est là, on est porté au prince, femme, dans femme, bête, on vit. Non, les gens qui ont une origine, les gens qui ont un sentiment, les gens qui ont un réflexe pour la terre. C'est que malheureusement, depuis 30 à même 40 dernières années, il y a un découragement qui fait pour nous, c'est son forme d'apprentissage. Il y a montré que pour durer, c'est un bail qui est important. Il y a montré que et viande et locale c'est pas bail qui est important tout produit local c'est pas bail qui a valeur et aujourd'hui si nous avons une question depuis qu'il a bon petit thé citronnelle on doit réfléchir pour ouais des monde là depuis qu'il a bon thé à ça aussi bagain un jour en tout cas c'est des choses qui bon m'ta bien content et félicitations avec ou imaginons un ensemble de pratiques qui te compte kimbe société en santé qui te compte consolider potentialité haïtien mais aujourd'hui avec toute habitude alimentaire ça que nous perdu tradition ça nous perdu nous venons avec un problème deuxième aspect je t'ai parlé longtemps de ferme école c'est longtemps tu gagne l'école dans milieu rural côté que ministère agriculture t'es con coordonné et tu gagne des écoles dans milieu urbain côté ministère éducation nationale avec révolution du compte du valier je dis bon tout il a foncé l'école pendant foncé l'école et tout ferme école yo ah OK et tout ferme école je veux dire on vient pas gagne monde qui gagne vocation pour l'agriculture et puis yo vient dire oui paysan va le planter encore mais paysan va le planter qui assistance technique les gagne est-ce qu'il gagne accès à engrais est-ce qu'il gagne accès à agronome technicien agricole est-ce qu'il gagne accès à de l'eau est-ce qu'il gagne accès aux outils et matériel pour faire jardin pour faire élevage c'est toute bagaille ça nous constater et te gon bel projet relé 4C qui te signifie corps cœur cerveau coopération qui te permet que ti moun nan commencer faire jardin commencer faire élevage et visiter pays OK. Au condition bah qui grave, je veux dire il y a pile parent qui a programmé fait ticket d'avion pour Timonio depuis qu'on y a là pour aller faire vacances mm-hmm. alors que Timon n'a pas connu cap. Timon là pour le principe pas connu Léogane. OK. Timon là Saint-Marc, il pas connu Ponsondé. C'est des choses qui grave. Ça veut dire que je veux dire nous besoin un chaque citoyen investi dans Timonio pour être capable pratiquer agriculture et pour Timonio capable gagner comprendre ça que les flore. Dans la flore d'Haïti, qui s'acclade dans le thème de végétation? Et je sais étudier dans le livre. Non, c'est pas, il faut qu'il touche. Par exemple, si on a mangé du riz à la Port-au-Prince, est-ce qu'il y a une graine du riz avec poids là-dedans? Okay. Est-ce qu'il y a un plant du riz? Est-ce qu'il y a un jardin du riz? Okay. Vous parlez de Timon, par exemple, de café. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un fruit café? Okay. C'est un ensemble de choses ça, notamment que la société a pratiqué aujourd'hui. Et nous pensons que ça fait valeur en société. Par exemple, j'ai connu ma grand-mère, on dit grand-grand et grand-mère en créole. Ça veut dire que qui était mouri à l'âge de presque 116 ans. Pas jamais lié lui, me songe lui, grand-mère tout le monde c'est des monde qui était mangé bien. Mais je veux dire qu'est-ce qui fait timonio a mouri bonheur?
Qui ça fait ensemble de maladies? Maladie, oui. Maladie a frappé mon yo. Est-ce que pas parce que nous pas levé bonne encore? Et est-ce que pas parce que nous pas marché? Parce que qu'on y a n'importe qui bagaille font monter machine, font monter moto, c'est toute bagaille ça, c'est des inconvénients. Est-ce que tout nous pas manger façon pour nous manger tout? Par exemple, je vous dis, nous sommes tous ça, nous pas boiter, nous pas manger naturel encore. C'est que toute bagaille nous c'est des produits importés. Moi ça me besoin comprendre jardin scolaire là. Non, mais viens sur vous, c'est dans sens ça que nous venons avec principe jardin scolaire là. Parce que un jardin scolaire, il permet si mon yo connaît système de culture que yo ka fait dans pays, dans zone donnée, qui type d'élevage yo ka fait, élevage caille et volaille, on prend caille, on prend poule, on prend dinde, on prend codenne, on prend toute qualité des oiseaux qui existent yo et on prend élevage lapin. Par exemple, en pile monde peut manger viande lapin mais c'est une plus bon viande qui existe qui capable lutter contre cholestérol. Bon. Comprendre? C'est-à-dire qui est important son ensemble d'animaux domestiques. Ça c'est ça ti monde de honne. Mais les ti monde fait jardin, l'aliment c'est lui qui mettait maïs en terre, c'est lui qui mettait cerises en terre. Les lap manger c'est avec fierté la manger. Oui, bonne satisfaction. Ils ont satisfaction, ils connent ça c'est pour du pal. Oui. Mais deuxième aspect, nous marier et jardin scolaire là comme ça pour permettre que nous lutter contre ça la sécurité alimentaire. Parce que sécurité alimentaire là qui ça lié, c'est pour capable manger qui est disponible en quantité et manger de qualité. Mais gen moun konn sa gen moun k ap di konn ou ap di sécurité alimentaire parce que d'après on série d'informations qui disponible, c'est pas manger que pas gen nan monde là, c'est juste son problème de gestion, de gaspillage, de mauvaise gestion, ou ap di gen assez de manger pour tout monde manger. Sur un certain angle, moi ka d'accord par exemple, l'on prend des régions produit, gen problème accès à route, transport pour manger. Sur un certain région, mais pendant ce temps gen l'autre région k ap souffre pas gen. Ki pas gen tout. Konn assez bon problème de coordination qui existait, problème d'appui au secteur agricole côté que paysan pas gain chance pour bon l'autre monde qui pouvait nous prendre dans main directement. Par exemple, gain des monde dans centre-ville là, je dis avec dans Port-au-Prince, s'il te joue au crédit, il t'a pas acheter produit au Caï, il t'a pas acheter produit Jérémy pour venir vendre Port-au-Prince. Mais l'elle vient avec au Port-au-Prince, faut monde gain moyen pour l'acheter. Non, mais est-ce que le problème d'agronome, c'est insuffisance qui gagne ou bien c'est problème de coordination, soit bien de moyens, de transport, etc.? On dit problème dans global. Ah, ok. Problème dans global. Par exemple, côté que tu manges, il n'y a pas de moyens pour venir transporter. Côté que tu pas de manger, il n'y a pas de moyens pour l'acheter. C'est le problème dans global. C'est que il y a insuffisance, c'est vrai, mais si ça gagne, il y a sous-utilisé. C'est même genre en termes de ressources humaines. Pas de pile agronome dans le pays. Pas de pile ingénieur, pas de pile spécialiste en cours dans le pays. Mais il n'y a pas valorisé dans le travail qu'on fait là. C'est-à-dire combien de monde, est-ce que l'État, à travers Storm TV, cap tendre là, cap garde au travail qu'on fait, est-ce qu'elle comprend ce qu'on fait là dans la société? C'est le même problème ça qui est posé. C'est-à-dire, si les ressources qui gagnent, les gaspillent. C'est-à-dire, après, si manger grandes ou bien la tibonite fait, par exemple, on prend un cas qui est très précis. Consommation, l'eau, besoin en consommation du riz pour le pays d'Haïti, il est supérieur à 400 000 tonnes. Mais Haïti fait que moins que 400 000 tonnes. Ça veut dire que, mais est-ce que tout le monde a une chance pour manger du riz? Ça faut que tout le monde mange du riz parce que la majorité du riz dans le pays d'Haïti, c'est importer, l'importer. Oui. Comme l'importer, nous n'avons pas ça. Mais si je dis, sur le plan éducation, sur le plan de fierté, paysan ou bien citoyen, tu connais que ces produits-là, quand ils pour le manger, ils connaissent que manger qui est importé, ils ne connaissent combien de temps fait dans le bateau, combien de temps fait dans la douane, combien de temps fait dans le dépôt, c'est-à-dire un temps ensemble de contamination pour du sagan là-dedans. Ils ne connaissent pas. Mais comme nous l'a fait face à Gangou, qu'on problème de pauvreté qui posait, ils mangent, ils finissent, c'est ça au Bali. Mais normalement, un sentiment de fierté et d'orgueil, et pour assurer une bonne santé la caou, faut manger ou manger de qualité. Et yo di yon nan meilleure stratégie pour manger manger de qualité, son manger qui pas fait en pile temps dans dépôt. Okay. C'est un manger qui pas fait. C'est en cueil manger. C'est cueil manger. Or c'est ça que fait, nous dit pour nous capable ba un booster avec production nationale là, nous venir avec programme projet jardin scolaire là et projet jardin scolaire là la permettre que un ti moun yo gen connaissance dans domaine agricole là. La permettre que Timounio connaît qui ça pour faire, qui vient pour planter pied bois, parce que nous marions avec ça, l'éducation environnementale, comme je disais tout à l'heure. Côté que, longtemps, tu as un balai qui était la saison de l'arbre. En période de mois d'avril jusqu'à mois de juin, tout le monde toujours planter pied bois. Mais je vous dis, il n'y a pas de ça. On ne peut pas planter pied bois encore. Eh bien, nous-mêmes, nous avons dit, nous avons vu la saison de l'arbre. Eh bien, nous connaissons, si nous mobilisons Timounio, parents ont impliqué. Direction de l'école ont impliqué. Professeurs ont impliqué. Par conséquent, nous avons un groupe dans la société. Cap impliqué, nous disons dans 10, 15, 20 ans, au moins nous sommes capables de tourner avec un processus qui permet que Haïti gagne droit de grandir dans la question de manger. Et laisser ça, nous avons produit manger, non seulement pour la génération panoua, mais nous avons quitté
réflexe ça, capacité ça pour l'autre génération qui va venir et ne pas avoir tendance à l'acheter produit l'autre bord. Ne pas dire mon pas manger produit sur l'autre bord. C'est-à-dire que leur voyager ou manger produit sur l'autre bord, mais leur la caillou, il est toujours bon c'est produit la caillou pour manger. Cap bon un en fierté et deux cap renforcer économie pays. Oui, et puis cap bon yon bonne santé tout parce que j'en dis là, ça veut dire manger à pour bien manger, il faut le pas faire pile dans un dépôt et les n'a manger du commerce, nous pas gain information ça. C'est clair. Pas connaître. C'est clair. Et au point que comme si gain nous connaissons des gain oui mais cap dit gain manger gâté ou jeté ou etc. Donc son sujet moi me grand pile question sur lui sur faisabilité sur qui l'école qui ciblée et puis comment premier ministère qui t'a dû impliquer pour ça arriver fait n'a pas proposé n'a pas donné très bien. Cheveux ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7 p.m. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Mesdames, chez Vince Fiatin, si vous avez des belles cheveux bien fournis, mandez des produits sans tracaio. Gamme produits sans tracaio bon pour cheveux naturels tant que cheveux permanents. Si vous avez un grand monde qui a servi avec vous. Si cheveux rabonnés, vous ne prenez pas permanent, vous êtes tout calé, vous n'êtes pas belle, vous faites chute, vous n'êtes pas fourni, vous avez un cap. Exigez produits sans tracaio dans toute pharmacie, market et studio de beauté. Toute femme qui forme servi avec produits sans tracaio. Relais Centraca dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Sans caca pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centraca ouvre une école cosmétologie dans niveau international. Dans Centraca l'école cosmétologie et stage pratique dans pays à tant aux États-Unis, examen l'état ou même qui dans États-Unis. C'est une garantie. Comme nous tous connaissons déjà, l'école là a dirigé par un tricologiste certifié dans l'Institut américain Tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centraca l'école cosmétologie a fait tout esthéticienne avec tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centraca a 4 séminaires qui programmés pour l'année qui vient. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça a réalisé avec spécialistes États-Unis tant qu'en Haïti. Fini vite, fini augmenter connaissance ou pour qu'a faire plus l'argent. Prix chaque séminaire c'est $50 américains. À partir de janvier, on va payer $70 américains. Passé jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier à côté la Pose Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez dans 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centraca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Nous tournons après pause là. On va suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7 h.m., chaque dimanche à 2 h.m., chaque mardi à 8 h.m. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est disponible sur YouTube. On y tape émission Bien-être et Beauté. On va vous donner pile conseil comment pour vivre bien avec environnement, avec éducation, santé, alimentation. C'est une émission qui aide pour joindre bien-être que vous cherchez. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission qui est supportée par Polyclinique Christina, deux adresses, Claire en face BIM et puis Rue Saint-Honoré numéro 94. Émission Bien-être et Beauté, supportée par Centraca École Cosmétologie. Semaine prochaine, nous avons des possibilités pour nous voir comment entrer l'école là et fête. Parce que week-end là, c'est rentré à la fête. Ni monde qui en coiffure, ni monde qui en cosmétologie. Vraiment, c'est une belle opportunité que vous pouvez rater pour venir inscrire dans Centraca École Cosmétologie. Coiffure en 3 mois, toute coiffure
et très africaine et puis son école de coiffure tout cap montrer comment pour capable peindre pour pas fatiguer pour pas arracher cheveux moun yo et puis ou joindre résultat et tout de suite après 3 mois ou son spécialiste ou son coiffeuse professionnelle et cosmétologie j'en nous dit c'est 9 mois juste après examen d'état. Émission supportée par Centraca Produits pour les cheveux, Centraca Clinique pour cheveux, quel que soit problème ou gen dans cheveux, cuir cheveux, quel que soit problème ou gen, c'est aller dans Delma 31 rue Jacques Premier. Tout prestation tap tap là, chaque jour excepté samedi 8h 5h, nous là pour nous servir même si c'est jour fête. Donc Centraca toujours ouvri à tenir. Jodi an émission bien-être et beauté, pas oublier jodi an a fait une belle émission avec un spécialiste et c'est ingénieur agronome Bertrand et allô. Donc n'a parlé d'éducation de éducation environnementale. C'est spécialiste c'est monsieur Bertrand, il est ingénieur agronome. Pourquoi ça vous dit ça? Oui, parce que après et au nombre de temps que vous finissez d'étudier pendant 5 ans et vous gradé dont titre ingénieur agronome parce que vous avez une capacité pour faire diagnostic, pour faire évaluation, pour gérer des programmes qui ont un rapport avec le domaine de compétences qui c'est agronomie. Ah, ok. Yeah. Donc, c'est ingénieur qui avec nous qui ont ce genre. C'est le génie, c'est l'aspect génie de la question qu'il faut voir. C'est pourquoi on dit ingénieur agronome, c'est même si on dit ingénieur informaticien. Ok. Voilà. Ok, d'accord. Bon, je pense que c'est clair pour le public. Là. Yeah. Dès qu'on est, faut faire. Et comme on dit, on brise glace. C'est ça. Avant, nous t'es proposé, nous t'as parlé de. Et comment dire, j'ai tout cas jardin scolaire. Jardin scolaire. Tu as parlé de faisabilité, est-ce que l'école est entrée là-dedans? Moi, je suis clair que nous avons plusieurs réseaux d'écoles qui ont déjà contacté pour MODEV pour nous capables de collaborer ensemble. Nous avons des écoles congréganistes, des écoles religieuses. De côté, ça fait. C'est dans l'école, là, nous avons une théorie, après ça, on a le souterrain, qui ça fait. Nous allons l'expliquer. Pas oublier que nous avons différents types d'agriculture dans le pays d'Haïti. Mais il y a une plus grande agriculture. Il y a un type d'agriculture qui est plus pratiqué, c'est l'agriculture familiale. Okay. C'est ça qui fait sur le terrain, ça des paysans qui ont un jardin, la cour, qui ont un mousseau de terre, qui pratiquent. Mais nous-mêmes, nous valorisons tous les deux types de jardins. Un jardin, les jardins urbains, agriculture urbaine. Agriculture urbaine, dans les mêmes sont agriculture qui est pratiquée dans le milieu urbain. Par exemple, dans le centre-ville de Port-au-Prince, on fait agriculture. On réserve un petit espace, par exemple, on prend un caoutchouc, on met le sol là-dedans, et on peut faire, par exemple, la caoutchouc à faire jardin. C'est-à-dire, tout côté, dans le studio là, on est capable de faire un petit jardin là-dedans. Okay. Par exemple, Corée du Sud, c'est un modèle et ville et à travers le monde qui fait un pile jardin. C'est-à-dire, nous comprenons que pays d'Haïti, il arrive dans un moment où il faut une priorité avec la production nationale, la production agricole. Comme tu as mangé tout le bagage là, quand même. Tu as besoin de marché. C'est très bien, c'est très bien. Yeah. Ça veut dire que l'école, même, ça dépend de qui côté l'école là est et qui sa direction l'école là, professeur yo, et élève yo, et même parents ont décidé ensemble. C'est que dans l'école là, nous faisons formation pour les gens, nous animons conférences pour eux et nous faisons désigner un espace dans l'école là pour nous faire des travaux pratiques. Par exemple, vendredi prochain, là, nous avons des travaux pratiques. Chaque vendredi avant l'école, c'est dans l'école là même nous faisons. Et deuxièmement, si l'école là sentit que les besoins ont un espace qui est beaucoup plus large, nous répertorions des fermes dans le pays. Par exemple, il y a Santo qui a une ferme agricole, il y a Carrefour qui a une ferme monde vers animé, c'est Tor 65. Ou gen une femme qui est scof, ou gen fouet. Mais ça c'est pour nous ou bien partenaire affilié? Non, c'est ça, c'est que nous répertorions. C'est des fermes agricoles ou bien des sites écologiques que nous établis partenariat avec moun ki fè yo. OK. Et nous même nous gen site propre site par nous. OK. C'est que côté que nous gardé, nous mettons ensemble avec moun sa yo pour nous travailler. Par exemple, malheureusement l'état il 543 fermes qui pas valorisées. Nous espérer dans un temps bien déterminé que l'État a pris en charge de toute femme NIO et qui est vraiment utile pour l'ensemble de l'école côté femme ça. Okay. Parce que y a plus gros côté qui a fait expérience ça, c'est dans femme NIO. C'est-à-dire, on mène tout le monde dans le gardé, il y a une expérience qui a fait, il pratique, normalement, c'est comme ça. Par exemple, on a l'école qui a collaboré ensemble avec nous, il porte au prince, il achète un terre juste la chapelle. Okay. Pour être capable de mener tout le monde faire séjour hein, agricole. C'est-à-dire que nous pensons que l'autre école est capable de copier le même modèle ça. Pour être capable d'avancer. Ça c'est un bagage qui faisait parce que tout le monde aimait manger produit local. Il y a des gens qui ont posé problème dans longtemps, ils ont regardé ce qui a été fait, mais pour que les gens qui ont shooté balle là. Nous-mêmes, dans le MODEV, nous lançons balle là. Et qu'on y a, c'est pour l'État haïtien
t'as approprié le tel projet qui est vraiment bon. Par exemple, on prend le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère que nous misons sur lui pour faire travail ça. On prend le ministère environnement et on prend le ministère de l'agriculture. Nous pensons que trois ministères ça yo capable son base en accord et yo désigner des cadres et yo garder qui ont fait investissement dans cadre programme jardin scolaire là et permettre que son bagage qui enseigné dans toute l'école yo dans toute organisation et tout et nous même à faire promotion pour église jardin tout c'est okay. C'est ta belle par exemple ta ouais par exemple toute l'église adventiste dans pays a réservé un samedi que consacré à l'agriculture. C'est le même message là parce que dans la Bible pas oublier Dieu créa le ciel et la terre hein dit ouais c'est un élément qui te permet que discussion entre serpent et et la femme c'était un fruit ça qui c'est un produit agricole ça veut dire que ça veut dire que faut nous contrôler mais sauf que c'est pas ta meilleur jour pour un adventiste prend c'est samedi parce que samedi c'est à l'adoration ou cap on l'autre jour cap planifier comprendre samedi comprendre non faut me faire rectification non c'est pas rectification moi je dis même dans prêche là oui. Yo ka pran un texte biblique, yo ka prêcher. C'est ça, m'a pas dit pou y al faire jardin un jour. Ah, okay. C'est ça qui sonne. Non non, yo ka c'est pas pou y al faire jardin parce que m konnen adventiste respecte sa bali, son ba nous respecter tout, nous respecter opinion tout monde, nous respecter religion tout monde. Ça veut dire que nous comprendre que par exemple dans école du sabbat, yo capable faire un débat, utiliser un passage biblique qui gagne qui son jardin là-dedans, côté Andy David avant de voir, c'est mouton que tu as gardé. Ça, c'est élevage, c'est l'agriculture. C'est-à-dire, tu peux faire des sujets sur bagay sa yo, qui est vraiment important. Moi, je pense que, et gon ensemble thématique, l'église est capable d'entrer là-dedans. Et c'est la vie. Et il y a une institution kabay. Et j'arrête à un tel projet, nous pensons l'église. Et deuxième institution, nous disons l'école, yo, parce que c'est avec eux qui sont les premiers bénéficiaires. Et nous pensons l'État qui est capable d'entrer. Et il y a une organisation, tout. Toute organisation capable de faire des petits projets. Regardez qui ça a fait en termes de protection environnement, conservation biodiversité. Par exemple, il y a un gros problème. Nous avons chaque pays qui a un animal national. Mais Haïti, pourquoi adopter un animal national? Qui ça a pensé le TKI? Bon, il y a un pile de monde qui fait proposition pour ta gain. Mais sauf que il y a trois critères minimum pour on respecter pour choisir un animal national. Premièrement, il faut que ce soit un animal qui est endémique. Par exemple, il y a un monde qui parle de caleçon rouge parce qu'ils sont belles ces oiseaux, ils ont un bleu et rouge, ils ont une couleur de drapeau national. Là. Il y a des gens qui ramènent peut-être ça. Il y a des gens qui ramènent Jaco, parce que Jaco est endémique tout à Haïti. Il y a des gens qui parlent, par exemple, il y a un agronome Jean Bertrand, c'est un ancien agronome de promotion 1951. Lui-même, il dit le temps aimé que je choisis les oiseaux musiciens. Les oiseaux musiciens sont belles, ces oiseaux. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous, il y a plus de gens qui ont un penchant pour les oiseaux. Mais comme ça, il y a un vice-recteur à la recherche qui a un penchant pour les reptiles. Okay. Ça veut dire que chaque monde a un. Mais là, n'a pas de difficulté pour nous choisir. Non, pas de difficulté, c'est que n'a pas rencontré tout le monde. N'a pas une période qui t'a pour faire des propositions et un atelier scientifique qui pour faire tout. Par exemple, côté pour ministère agriculture, ministère environnement, capable chita ensemble pour discuter sur ça. Et ensuite, et sensibiliser toute l'autre autorité qui gagne pour t'a faire un arrêté présidentiel sorti. C'est pour une belle bagarre que t'a ouais Haïti. Adopter même gens les États-Unis gagnent aigle chaque autre pays gagne animal par yo de même également nous pour une plante nationale malgré nous mettez même si nous mettez un palmiste en armoire nationale là mais pas gagne qui crée un côté dans constitution bien une loi qui dit palmiste c'est la plante nationale mais en plus le monde est d'accord que adopter palmiste là c'est que nous même nous pas gagne trop problème sous ensemble de c'est ça l'essentiel nous t'as aimé que ça fait. Nous avons un critère pour faut endémique, c'est que les propres avec le pays. Deux fois que nous avons un si nous avons un peu de temps, nous avons dit de pour un cochon, nous avons un peu de pour un chien, nous avons un peu de tout le monde a approprié les deux espèces. Et troisièmement, il faut qu'il n'y ait pas en voie de disparition. En voie de disparition, c'est qu'il y a plus que 50% de la population qui a péri chaque 20 ans, de temps en temps, il y a des péris, c'est-à-dire qu'on ne peut pas supposer que ça. C'est-à-dire pour nous prendre engagement, la société civile, l'État prend engagement pour capable conserver. Et espèce ça. Parce que c'est en gros. Oui. Et il y a une importance, jardin scolaire, pour le bail, fait que vous comprenez qui est espèce animale, qui est espèce végétale, qui est une toponymie, comment classer les bêtes, identifier yo et puis permettre pays à bien fonctionner, pays à avoir notre image. Parce que je vous dis, il n'y a rien de importance. Eh bien, on commence là. Bon, vous avez parlé de parler gado avec passion. Comme si chaque et tout le monde fait ou elle comme si elle a parlé de lui comme si c'est lui qui belle c'est lui qui bon comme si mon ne parlait de ça le fait avec passion comme si ça fait comme si doit être une émission de fait là qui pour faire son remet on sentit que on fait bagarre au remet
et comme ça on jeune bien-être là. Oui, c'est vrai. Ou assez moi font bagarre ou remet ou parler de ça avec passion. J'ai l'impression toute vie c'est agriculture et puis éducation. Paysan d'abord, pas oublier tout ce monde de Saline, son paysan d'abord. Ou quand ça grimpe le monde qui attend de cap dit tout à gonne m'a dit c'est paysan, c'est pas trop pressuré, c'est dans bureau central l'été. Na adolescence moi, pas jamais fait ça. Ouais, dans faculté d'agronomie, les nous entrer dans première année gagne cap dit des Port-au-Prince, c'est un excellent mat. Non, mais c'est Port-au-Prince non wow. Non, ouais, Port-au-Prince. Oui. Mais moi même pas jamais ignorer côté me sorti. Et c'est circonstance qui fait nous quoi. On parle en tant qu'agronome, yo dit agronome, yo pas sur terrain vrai pour travailler pour aider mon yo plus dans bureau, yo plus dans capital là. Et pas parce que moi même sur terrain qui fait m'a dou ça, mais un agronome pas forcément dans sur terrain. Okay. Attention. Un agronome c'est un penseur, c'est un scientifique. Si on dit pour tout agronome souterrain, qui est-ce qui a ministre de l'agriculture? Qui est-ce qui a droit à la faculté agronomie? Qui est-ce qui a directeur général? Si on dit pour tout à souterrain. Ce n'est pas moi-même, nous avons dit que j'ai un peu de temps. Non, non, non. Je ne peux pas répondre à ça. Non, je ne peux pas répondre à ça. Si on dit pour tout agronome souterrain, laboratoire pour faire test pour sol, côté à faire. Hein? Les produits qui sont contaminés, qui ont fait identifier. Par exemple, si on a un service quarantaine, soit vous achetez un bête l'autre bord, soit vous achetez un produit alimentaire l'autre bord, soit vous, quelle que soit l'espèce végétale que vous achetez, est-ce qu'on est que fort ou vous avez un certificat pour ça? De même, soit transféré un chien l'autre bord. Eh bien, c'est un service quarantaine qui est sous contrôle du ministère de l'Agriculture. Eh bien, qui est-ce que vous voulez? Bon, répondre mon yo, moi ça répond yo. Parce que c'est tout le temps, m'pa quoi. Agriculture c'est pas dans milieu rural. Agriculture fait même dans parler national parce que le passe au zèbre. Ça qu'il faut nettoyer, faut ranger zèbre là. Faut gonba écrire floriculture, jardin paysager. Son agronome qui ka font jardin paysager. Sous besoin la cour belle, son agronome pour contacter. Ça dit son monde qui fait phytotechnie, option pas maintenant pour contacter pour faire un bel jardin pour vous. C'est pas un qui dit on font jardin, on caille, on met caille pour produire des fleurs. C'est avant même on met caille là, on fait caille là. Avant même on fait plan caille, depuis dans plan caille là, faut consulter un agronome. C'est que c'est l'importance d'un agronome. Un agronome parle là comme si elle montrer paysan distribuer engrais. Paysan qu'on distribue engrais déjà. Agriculteur qu'on qui j'ai pour notre semence santé déjà. Mais le besoin accompagnement de agronome là. Mais faut qu'on qu'il est pour le premier semence. C'est ça, il y a un service technique les besoin. Et c'est ça nous demander pour paysan gain. Faut qu'on assistance technique, faut qu'on moyen ça et ressources humaines qualifiées qui vont accompagner il. Mais faut bureau pas arrêter vite c'est vrai. C'est que nous d'accord faut gain ça. Mais gon l'est tout agronome ou gain qui tigouave là ou gain qui Jacques Mel là gon l'est là bien pour rentrer Port-au-Prince. Gon l'est là bien pour aller à l'étranger pour aller faire études, li mal faire master, faut parce que faut gain doctorat. Tout domaine yo faut gain monde qui spécialisé là-dedans. Moi même faut me faire doctorat, me fait ou veut pas. C'est comme ça doit y être. C'est pas en écrité ou du agronome bot ou en pio. Mais les bottes ne sont pas faites seulement pour les agronomes. Okay. Ils faites pour tout le monde. Les lapins tombent leur faire gestion des actes des bottes. Ok. Bon. Vous comprenez ça? Ou répondre mon yo. De toute façon, c'est tout le temps qu'on a posé des questions. Agronome, agronome, li n'importe quoi. Vous comprenez yo? Son frustration parce que pas oublier, je vous dis, y a moun pas qu'à manger. C'est-à-dire si moun pas qu'à manger, agronome est responsable. Ok. Mais agronome est responsable, c'est vrai. Mais c'est l'État haïtien qui est responsable parce que y a un pile agronome qui dispose, il veut le travail. Mais est-ce que l'État haïtien prend yo en charge? Bon. Est-ce que l'État haïtien mettez au côté pour y mettre yo parce que ces ressources là sont sous-exploitées. Oui, soit tout soit dit là très intéressant mais on prend posant et puis n'a tourné pour nous parler de habitudes alimentaires. Red branché n'a proposé n'a tourné. Mesdames, chevin se fiaten, si m'ta reme gen belle cheve bien founi, mande produit Centra Kayo. Gamme produit Centra Kayo bon pour cheve naturel tant que cheve permanent. Si moun kon grand moun ka servi avec yo. Si chevo rabonne, yo pa pran en permanent, bote tout calé, yo pa bel, yo fè chit, yo pa founi, yo gen kap. Exige produit Centra Kayo dans toute pharmacie, market ak studio de beauté. Toute femme qui femme servi ak produit Centra Kayo. Rele Centra Kayo dans 31 53 55 39 43 06 42 85 pour information. Centra Kayo pour une chevelure à fière allure. Mes amis, tendez, une bonne nouvelle. Centre Kalouvi yon l'école cosmétologie nan niveau international. Nan Centre Kalouvi l'école cosmétologie, estage pratique nan pays à tant États-Unis, examen l'état ou même qui nan États-Unis, c'est yon garantie. Comme nous tout konsalye déjà, l'école la a dirigé par yon tricologiste certifié nan Institut américain tricologie. Les 20 niveaux cosmétologie a passé jeudi à même dans Delma 31, Rijac 1er
à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Centre Caca l'école cosmétologie a fait tout esthéticien et tout l'autre monde qui s'est intéressé que Centre Caca a gagné 4 séminaires qui sont programmés pour l'année qui vient. Séminaire sur tes cheveux, séminaire sur maquillage, séminaire sur traitement cheveux, séminaire sur coupe et coiffure. Séminaire ça a réalisé avec un spécialiste États-Unis tant qu'en Haïti. Fini! Fini vite! Fini augmenter connaissance ou pour qu'a fait plus l'argent. Prix chaque séminaire, c'est $50 américains. À partir de janvier, vous allez payer $70 américains. Passez jeudi à même dans Delma 31, rue Jacques Premier, à côté de la Pause Hôtel. Place limitée. Pour plus d'informations, relevez 31 53 55 39 43 06 42 85. Avec Centre Caca l'école cosmétologie, soyons des créateurs de beauté. Cheveux ou ap cassé ou gen chit ou gen problème santé ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission Bien-être et Beauté a passé chaque samedi 7h PM, mardi 7h AM, vendredi 4h PM. Émission Bien-être et Beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi à 7h PM. Relais Centre Caca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé. Nous tournons à proposant, pas oublier suivre l'émission Bien-être et Beauté, une émission qui passe chaque samedi à 7h PM, chaque dimanche à 2h PM, chaque mardi à 8h AM. Émission est disponible sur YouTube, on y tape émission Bien-être et Beauté. Émission Bien-être et Beauté est supportée par Polyclinique Christina, deux adresses, Carrefour Clessine, en face BIM, ou bien Rue Saint-Honoré, numéro 94. Ou même qui garçon ou bien qui gen mari ou qui gen problème impuissance sexuelle infertilité ou gen problème de circoncision c'est aller dans polyclinique Christina ou ap jwenn docteur Watson Exantus k'ap ba ou bon service pas gen question fin faire et circoncision et puis son jou pou mettre sou non ou ap fin faire circoncision pou mettre radou sou normalement et pou al travail ou ap écrit docteur Exantus sur WhatsApp ou bien sur message dans 38 04 92 05 38 04 92 05 pour capable joindre plus d'informations ou bien pour un rendez-vous spécial avec lui. C'est pour me dire son docteur qui 100% fait clinique. C'est dans clinique il travaille. Émission est supportée tout par Centre Caca École Cosmétologie. Je nous dis une école de coiffure en 3 mois, cosmétologie en 9 mois. Je dis à l'émission Bien-être et Beauté, nous avons parlé d'éducation, environnement. Et dans deux parties qui sont passées, nous parlons d'un pile de l'importance du jardin scolaire. Je pense que c'est son thématique qui est nouvelle, que nous n'avons pas trop habitué avec elle. Et agronome Bertrand vient ensemble avec lui, avec l'équipe lui, bien entendu, parce que c'est spécialité. Il n'y a pas de lui faire école normale, plus il fait agronomie. Donc, les mariés ensemble, son mariage parfait. Et je souhaite marier ça à la durée et pour nous capables de jouer bien-être. C'est pour nous annoncer, c'est pour nous parler de l'importance habitude alimentaire. Qui est-ce pour nous manger, qui est-ce pour nous faire choix ça pour nous manger, pour nous capables de bien manger. Parce que les gens, c'est les gens qui ont un grand goût. Ouais. Et puis, ils disent, ah, mon grand goût là, ça me va manger là. On spaghetti, on cola. Ça veut dire que nous n'avons pas fait plein pour le manger. Et c'est chaque pays, il y a une façon, il y a un système de production pâle. Il y a une habitude alimentaire par eux. Malheureusement, depuis des années, nous sommes censés paraître acculturés par rapport au niveau de pauvreté nous gagnons. Et par rapport à la négligence, tout, laxisme, tout ça, ignorance et acculturation. Et ils permettre que nous mangeons n'importe qui bagaille, ça nous joigne, j'en viens, j'en viens. Et nous pensons qu'avec le programme jardin scolaire, là, les mêmes nous permettent de faire une valeur nutritionnelle chaque aliment qui vient. Okay. Et comment pour faire le choix et qui est pour manger qui ça? Dans qui ça a besoin de qui vitamine? Okay. C'est ensemble de principes ça que le jardin scolaire là a pas capable de contribuer. Mais ils permettent aux parents de comprendre le retour aux habitudes alimentaires. Je vous dis, les petits gens ont préparé le bois d'alinche, qui sont mettés dans le bois d'alinche. C'est qui sont mettés. Est-ce qu'on mettait des choses qui permettent que les petits gens soient bien nourris, la vitamine là-dedans,
et ou bien est-ce que c'est n'importe qui va gagner vous acheter un petit boutique à côté là ou mettre là mais pas de boîte à linge longtemps non et ben là bon comme c'est ça qui existe je vous dis en Kimberley comme réalité parce que bah mais deuxièmement un autre gros phénomène gain parents pas bail boîte à linge parce que l'école là gain cafétéria mais qui ça au bail dans cafétéria côte du ça sorti yo bail dans cafétéria maïs ça coûte à côté le sorti ça que nous font appel toi direction l'école yo et bien pour yo permettre que yo acheter ou bien faire acquisition produits locaux pour être capable de mettre dans la cafétéria. Comment ça va le dire les pichets? Les pichets c'est vrai, mais les pichets leur acheter manger qui puis bas prix ou mourir plus rapide. Ok. Ou bien plus maladie qui viennent sur, ou aller dépenser l'hôpital. Oui. Plutôt faire prévention pour qu'à quimbé bien-être et beauté. Vous comprenez? Ou faire prévention parce que leur faire prévention on dépense moins. Oui. Mais leur pour guérir leur malade. La meilleure médecine. Mais leur pour guérir leur malade sont gros tracas ça y est les autres. Centre capable café en vous parce qu'on a trac. On savait que moi penser que l'état bon que nous retourner à habitude alimentaire yo. Et ba ti moun yo boire lait les pour yo boire lait, ba aussi au miel tout les pour yo. Comprendre et nous même qui adulte tout nous besoin adopter principe ça tout. Comprendre compte qui gens pour nous manger. C'est pas pour dire manger en pile manger qui coûter en pile l'argent, c'est pas ça qui est important. Comprendre et un ensemble de choses de pratique pour nous commencer faire. C'est-à-dire boire thé consommer tout ça qui est naturel. Une question tout, mon pas gain temps pas ça. Comme si mon pas gain temps pour le préparer à manger, c'est mon gain mon qui manger matin dans la rue, à midi il mange dans la rue, à soir c'est dans la rue. Mais sous cabane l'hôpital là pas le gain temps. Non mais ma bonne réalité mon. Oui, mais sous cabane l'hôpital là pas le gain temps. Parce que gain de bagaille. Au cimetière là tout parce que gain de le pas gain l'hôpital, non, cimetière. OK. Non, faut nous dire ça que faire ça tout parce que premièrement gain pauvreté là. Comme si mon nom est compliqué, non, mais n'a pas qu'à faire manger, mais qu'à acheter manger. Nous tenons compte de ça. Et puis, il y a des gens qui sont toujours pressés. Oui, mais au qu'on est avec le programme, on retourne avec la production nationale là. Si chaque monde prend l'initiative pour faire ce jardin, eh bien, c'est une stratégie dans la politique contre la pauvreté. Non, est-ce qu'on promet que nous avons une émission avec l'image, comment on fait manger la famille? Non, nous promettons une émission souterrain. Une émission souterrain. Nous allons faire une ferme agricole. On n'a pas parlé de ça. Par exemple, si vous voulez nous faire le carrefour, dans la ferme agricole monde vert animé, on a bien content de recevoir. Okay. Si vous voulez nous faire le forêt Timoun, on a bien content. On n'a pas parlé de ça. Ou bien si vous voulez nous venir avec matériel là, avec matériel ici, on a capable. N'a pas faisabilité. C'est ça. Nous pensons logique là, je vous dis. C'est pour nous. Parce que pendant n'a pas parlé comme ça, on n'a pas une image comme si on dit ah, on parle, on n'a pas le mettre là. Comme si les gens n'ont une image, ils ont une réalité. Et les pays barrés. Moi, si vous voulez, je vous dans l'espace pour nous faire ça. Nous n'attendons nous. Nous pas de problème parce que nous avons un pile d'autres monde qui est engagé dans ce sens. Donc, nous allons aller dans Winfarm, nous allons aller dans le jardin botanique de Kai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs côtés nous allons aller ensemble pour nous faire des émissions souterraines ou bien nous ferme agricole. Là, Santo, nous allons aller. La semaine prochaine, nous avons un atelier fait pour des enseignants dans la ferme Santo, où nous allons visiter. Et vous venez assister avec nous, si vous voulez même. Vous comprenez? Je vais regarder au réel. Voilà, pas de problème. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons que chaque monde développe un réflexe pour gagner une habitude alimentaire normale, pour consommer des produits naturels, des produits agricoles locaux. C'est ça que nous avons aimé. Et adopter le principe longtemps. C'est-à-dire garder pour nous qui j'ai un monde qui vit longtemps, qui tradition que tu gagnes, et qui fait que nous sommes pas malade facile, et qui fait que nous mourir à 90-100 ans. Oui. Je veux dire, c'est toute négligence que nous faisons qui a payé les conséquences. Je veux dire. En pays grand pays, je veux dire, quand vous produisez chimique, bah, ou, pour on a le produit, bah, ou, il n'y a pas mangé, non? Non. Vous faites seulement à des fins pour vous voyez dans petit pays ou bien à des fins commerciales. Oui. C'est que nous-mêmes, il faut nous respecter la vie du bon. Et il faut nous respecter eh bien, les générations que nous avons gagnées pour nous quitter. Parce que petit, nous, il ne peut pas porter signature, nous, il ne peut pas porter sans nous, il doit être fier de nous-mêmes. Oui. C'est que c'est en construit un nouveau haïtien. C'est ça pour nous faire. C'est-à-dire que pour un nouveau réflexe qui est développé, au moins nous quittons le bagage pour le pays. Parce que nous avons mouru quand même, Franck Clair, sur ça, à limite, à 100 ans, 200 ans, bon, même si nous n'avons pas arrivé tout le temps, mais ce n'est pas soit passer sous terre. Oui, c'est vrai. Comment on va passer, quitter une empreinte, quitter un bagage positif pour l'autre monde qui a sorti quitter et où tu existes tout. Oui, c'est très important. Et avec l'information que nous avons, je pense qu'il faut que nous soyons plus sensibilisés. Parce que il y a des gens qui pensent pour bien manger, il faut grand pile. On toujours dit mon c'est différent. C'est différent, c'est connait pour connait. C'est ça. On fait pile l'émission sur alimentation, vin naturaliste, vin à un série de monde pour composer qui gens mon yo ka manger ou ka manger sain à peu yo pas quoi ou. Yo pas quoi. Puis essayer à pas dernièrement la agronome et puis on t'a plein de problèmes acides. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas acheter un médicament. Je ne vais pas acheter un médicament. Pourquoi on boit un pain là, un bois à pain qui est graisse là?
et puis chauffer la fête Isanavel et puis après 2-3 semaines tout bail passé. Non mais carottes tout sont bon mais gen moun ki gon l'autre gonam kal di l'autre moun sa li préféré c'est dans pharmacie pour aller alors que bois pain bon j'en dis carottes là gen bon carottes là c'est jus carottes ou bien manger carottes là comme ça. Voilà. Et très bon pour mentir. Ça veut dire que faut nous tourner avec principe ça. Pomme de terre c'est un bon pansement gastrique. Au lieu que vous achetez un bagage pour ka manger pour ka gagner appétit. Pon ti citronnelle, mettez là et puis mettez ti sirop miel là-dedans, tout bagage aller. Coupez tout. Hein, ça veut dire que bon qui est sirop miel chaque matin, ça permet que vous vivez bien et pour gagner appétit tout. Ça que bagage réalité là, c'est nous-mêmes qui négligez yo. Ou fait m'ban pile remède la vega mette m nan même rang moun ka bay l'autre remède non. Non, m'pa quoi là, n'a fou bagay ki durable et ki et pratique. On connaît grand pile moun ka bay remède ces jours-ci, vous comprenez? Non, c'est pas non, nous pas rentrer dans logique ça. Nous pas rentrer dans logique ça. Bon. Donc, émission ça s'est rivé nan fin, n'a fait yon, on te ka dit ça, on ramblé. Yon dernier rassemblé sous ta gon dernier bagay pou di sous éducation environnementale pour sensibiliser moun yo avant aller. Bon, l'état bon pour chaque citoyen connaît que y a un environnement qui est propre à eux-mêmes. Et en Haïti, même sous l'autre nationalité, depuis mon papa, c'est haïtien ou haïtien quelque soit côté. L'état bon nous a une contribution pour nos grands espaces verts en Haïti. L'état bon même là on africain vient à Haïti, il même connaît la vie dans espace vert. C'est ça que fait nous venir avec saison de l'arbre. Dans chaque monde planter pied bois, prend soin pied bois yo, c'est pas ni planter pour on n'est pas jamais tourner dans un anton mais prend disposition pour gagner un petit jardin mon côté un jardin la caillou un jardin à l'école côté un jardin dans télévision là pour garder que ça nous ca fait en termes de contribution pour nous protéger l'environnement et essayer consommer produits naturels yo et tout directeur l'école yo nous ta remet pour initiative pour faire programme jardin scolaire là dans l'école yo ça c'est un bagage qui fondamental et nous dit un bagage qui important c'est que ou pas besoin reler pour modèv. C'est-à-dire, de vous faire appel à un agronome, un technicien agricole, un vétérinaire, eh bien, il est prêt pour être capable. Tout le monde sait qu'on est prêt pour être capable de collaborer. Si vous faites appel avec Pomodev, eh bien, ça facilite la tâche. Parce que ce n'est pas difficile pour joindre nous. Moi-même, le téléphone moi simple, c'est 37 33 59 53. Vous voyez WhatsApp, ben moi, et m'a répondre à temps. Et ensuite, vous pouvez visiter ce site Pomodev là, qui c'est www.pomodev.ht. Et pour être capable de ensemble des formations nous partager, parce que nous-mêmes, nous là pour une utile société. Et il est bon que chaque monde prenne une initiative. Pour Pomodev dans le jardin scolaire, là, vous pouvez aider pour Pomodev faible. Chaque école fait un jardin scolaire, nous sommes vraiment contents. Au même tout, vous êtes dans le centre bien-être et bonté, et maintenant, félicitons pour belle initiative. Ça. Chaque monde qui a pris une initiative, en coller les épaules, en créer synergie entre toutes décisions ça yo toute action que n'a posé yo et c'est ça qui permet à Haïti sous voie développement économique là. Bon, c'est très bien et agronome Bertrand, c'est un grand plaisir que tu aies gagné, tu mettre disponible et m'a dit public là, tu gagné pour te venir longtemps dans l'émission. C'est vrai. Le temps tellement d'activité mais où tu fais l'essentiel, où voyons monde, nous te font belle émission ensemble avec agronome là. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir que nous faisons une émission à avoir. C'est une première émission que nous faisons ensemble. Je pense que ce n'est pas une dernière. Disponible. Entre guillemets. Merci. Donc, un grand merci. À très bientôt pour une prochaine émission. On a planifié une émission sur comment on fait jardin tout potager. C'est Dr. Célestin qui a une émission concernant longtemps maintenant même. Merci. Avant de nous aller, nous avons rappelé que l'inscription a continué dans le centre à cap pour l'école coiffure spécialement et les gens qui voulaient apprendre cosmétologie en spécial week-end, dimanche seulement, midi pour 5 heures, pas du tout à temps, nous créons temps pour vous, ou à temps pour faire tout ce que vous faites dans le matin et pour venir dans le cours à midi pour 5 heures, spécial cosmétologie, spécial dimanche, c'est toujours même durée à 9 mois. Et vous êtes capable de gagner une profession, même genre un monde qui n'a pas de temps la semaine, et c'est la même formation. Et je nous dis, la semaine prochaine, nous avons un aperçu de comment rentrer l'école dans le centre. Et avant de nous aller, nous avons dit que nous avons un pile. C'était moi-même, Léonie de Rose, infirmière tricologiste, qui a dit bye bye, à bientôt pour une plus belle émission. Cheveux ou ap kase, ou gen chit, ou gen problème santé, ou besoin conseil sur nutrition ak sport, émission bien-être et beauté, c'est un espace côté nous discuter des impacts la santé, la propreté ak environnement gagné sur bien-être monde. Émission bien-être et beauté a passé chaque samedi 7 p.m., mardi 7 a.m., vendredi 4 p.m. Émission bien-être et beauté, c'est une émission tout neuf qui a passé chaque samedi
à 7 h PM. Relais Centraca dans 43 06 42 85 pour information. Émission Bien-être et Beauté pour être belle et en santé.